Comme d'habitude, c'est le certificat de fin d'études élémentaires qui ouvre le bal. Les examens nationaux, session 2019-2020, ont débuté ce mercredi 5 août en Guinée. Au collège Kipé, quelques candidats aux examens d'entrée en 7e année, rencontrés par notre équipe, affirment que les sujets ont été abordables pour cette première journée. Ça se passe bien. Les sujets ne sont pas trop durs. Les sujets, on avait déjà fait à l'école. Faire l'examen, de ne pas paniquer, que les sujets ne sont pas durs. Ce qu'ils nous donnent, c'est ce qu'on a déjà fait à l'école. C'est pas dur comme je le pensais. C'était un peu facile. Mais c'était pas ça. Les surveillants, ils étaient persévérants. Ils suivaient leur objectif. Mes autres camarades, d'étudier, de ne pas laisser être en sixième toujours. Dans la même commune, responsables du système éducatif et surveillants se mobilisent pour le bon déroulement des examens. Dans la foulée, ces responsables s'adressent aux candidats en ces termes. Pour le moment, tout se passe comme prévu. Il n'y a aucun problème au centre collège équipé. Nous avons 377 candidats, dont 192 filles. Au collège équipé, tout est respecté. Si aussi, vous-même vous constatez, devant chaque salle de classe, nous avons des kits sanitaires. Je dirais aux surveillants et aux candidats de continuer à respecter et faire respecter les mesures barrières. Bon, depuis 7h30, nous sommes là. Pour le moment, tout se passe très bien, comme prévu. Les candidats ont été installés à temps. Les surveillants sont venus massivement, ils ont répondu à l'appel. Et l'autorité du collège Kipé nous a bien reçus. Pour le moment, il n'y a pas de défaillance, tout se passe à merveille. De là, nous nous sommes rendus dans la commune de Matoto. Le même climat règne à l'école primaire de Bessia, l'un des centres. Certains candidats se disent être confiants. Aujourd'hui, ça a été bien passé quand même. La journée, quand même, les questions sont très faciles à répondre. Quoi. Le message que j'ai à dire à mes camarades, de donner le courage encore, quoi, parce que c'est très facile. Les sujets étaient bons, on a étudié, la surveillance était gentille. Je demande mes amis que Dieu fasse 100% à la suite du formateur. Partout où notre équipe s'est rendue, le respect des mesures barrières sont de mise. Ces responsables de l'éducation à Matoto apprécient la sérénité qui concrétise le déroulement des épreuves. Les examens se sont bien passés ce matin. On a 268 comme effectif. Après présent, 244. Absent, 49. Absent, filles, 22. Garçons, 4. Toto, 26. On a un pourcentage de 91,04 comme présent. Et 9,70 comme absent. Le ministère a passé, la PIA a passé, la DCE a passé. On n'a pas eu de problème. Globalement, aujourd'hui, on a fait deux matières, la rédaction et la géographie. Moi, ce que j'ai constaté, c'est d'abord les enfants qui écrivent difficilement. Quand un enfant fait la sixième année déjà, donc il doit être capable d'écrire lisiblement. Donc quand vous voyez qu'il y a un enfant en classe, quand on circule, on voit qu'il y a des enfants qui écrivent difficilement et qui, d'ailleurs même, qui ne peuvent même pas écrire. Donc, c'est de dire d'abord aux fondateurs des écoles privées ou à l'État de renforcer la formation au niveau du primaire. Que l'enfant, avant qu'il n'arrive en sixième année, qu'il sache écrire et lire. Dans plusieurs centres que nous avons visités, il y a plusieurs cas d'absence signalés. Ce certificat d'examen de fin d'études élémentaires ne connaîtra pas une pause et il prendra fin vendredi 7 août 2020 sur toute l'étendue du territoire national.